Méditation du 9 juillet, un réveil tardif. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ecclésiaste 2, le verset 11 de la version Second 21. Salomon fit la triste expérience du néant auquel aboutit celui qui place son idéal dans les choses terrestres. Les autels érigés pour lui aux dieux païens ne cessèrent de lui rappeler que le repos d'esprit promis par ces fausses divinités n'est que leurre. Des idées tristes et obsédantes le tourmentèrent alors jour et nuit. Il n'y avait plus pour lui de joie ni de repos d'esprit. L'avenir lui paraissait désormais sombre et sans espoir. Cependant, le Seigneur ne l'oubliait pas. Par des reproches sévères, il chercha à faire comprendre au roi les conséquences de sa conduite pécheresse. Le Seigneur finit par envoyer, par l'intermédiaire d'un prophète, ce message effrayant à Salomon. « Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. 1 Roi 11 et versets 11 à 12. Comme s'il était tiré d'un songe par ce jugement prononcé contre lui et sa maison, Salomon, dont la conscience se réveillait brusquement, commença à se rendre compte de sa folie. Repris dans son âme, le corps et l'esprit affaiblis, il se détourna des citernes crevassées de ce monde pour se désaltérer à nouveau à la source de la vie. Il ne pouvait espérer échapper aux conséquences désastreuses du péché, ni libérer son esprit du souvenir de sa vie dissipée. Mais il s'efforcerait de dissuader les autres de suivre leur propre folie. Celui qui se repent vraiment n'oublie pas son passé. Dès qu'il a obtenu le pardon de ses fautes, il pense à ceux que sa conduite a poussé au mal et il s'efforce, par tous les moyens possibles, de les ramener dans le droit sentier. Plus brillante est la lumière qu'il reçoit, plus fort est son désir de guider ses semblables dans la bonne voie. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 5, aux pages 52 à 53. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.